Peggy 7. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va. Donc maintenant ce que je pourrais faire tout simplement c'est revenir un petit peu à la bataille. Donc je sais plus franchement où j'étais. Donc je regarde juste rapidement dans quelle zone on se trouve. Donc le climat devient dangereux dans un endroit, d'accord? Ça c'est la mission en question qui clignote ici je crois. Non c'est pas... Non c'était celle-là de toute façon dans laquelle on était. Donc là on voit tout simplement que je commence à être un petit peu... dans la merde. Je vais revenir un petit peu dans l'ancienne base hein. Je pense que ça va être préférable, je vais essayer de la faire augmenter un tout petit peu. Comme ça j'aurai une meilleure économie. Et je reviens juste après en fait dans le secteur disputé juste ici hein. Comme ça ça nous permettra tout simplement d'être tranquille. Donc attendez ça charge hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc après on va essayer de voir ce que ça va donner en fait sur la Lune pour l'instant. Vous savez bien qu'on est en train de construire en fait un petit module lunaire. Plutôt l'ascenseur spatial qui va nous permettre de rejoindre cette destination. Mais faudra beaucoup de temps encore je pense. Hein. Parce qu'on est à la phase 2. Voilà. Donc là je suis retourné en fait à ma base. Un projet a commencé qui ouvrira la voie aux générations à venir. Soyez des nôtres. D'accord si tu veux. C'est une occasion à ne pas rater. Ok, bah, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc attends. Bonjour. On accepte son projet. Bonjour. Aujourd'hui, les défis sont plus nombreux que jamais. Ce dont les gens ont le plus cruellement besoin, c'est d'un leader fiable et sûr de sa force. Et vous pouvez contribuer à faire passer ce message. Nous voulons commémorer la première vague d'il y a un siècle. Avec le programme de licence lunaire qui commence, quelle meilleure occasion pour célébrer le potentiel de l'humanité. Construire un monument à couper le souffle, c'est une énorme responsabilité. Beaumont est déjà intarissable sur vous. Et quand vous en aurez terminé, elle ne sera certainement pas la seule. D'accord, moi ça me convient, il n'y a pas de problème. Les besoins en biens de consommation spécifiques sont... J'ai des informations utiles pour vous. Oh lolo, qu'est-ce qui se passe tout ça là? Attendez, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Les besoins en biens de consommation spécifiques sont insatisfaits. D'accord, ne vous inquiétez pas, laissez-moi juste le temps de revenir dessus. Ah ouais, toutes mes colonies prennent un coup en fait, à cause de l'Arctique en fait. Ah merde. Donc, ah ouais, oh lolo. Mais moi je me suis pas connecté pendant... En fait, tous... Ouf, attends, faut que j'aille coloniser une autre île, hein, j'ai pas le choix. Hein. Donc attendez, je vais essayer de faire un tour dans celle-là. Est-ce que je peux y accéder tout de suite ou pas? Ah non mais, ah ouais, non en fait, elle se relie les villes. Aïe, 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 aïe. Parce qu'en fait, le petit souci, c'est que l'Arctique me mange énormément de ressources. Parce que j'ai un peu déconné, je me suis un peu emballé en Arctique. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça m'a fait plonger un petit peu l'économie. Parce que je me suis pas forcément connecté non plus. Attendez, je vais faire quoi? Je vais mettre ça comme ça. Ah, comment je me suis loupé comme un idiot, là. Désolé, on n'aura pas forcément beaucoup de place, mais c'est pas grave. Hein. Je vais faire évoluer tout ça. Et donc, quoi de neuf? Ah, je peux pas faire évoluer pour l'instant? Il me manque quoi? Nourriture bio. D'accord, buddy. Pas de problème, on va en faire de la nourriture bio. Je pense plus il y en a, mieux c'est. Ça y est, ça commence à remonter un peu, mais bon, je vais être dans le rouge. Donc à moins 10 000, on perd. Hein. Aïe, 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 aïe. Maintenant, faut du poisson. Est-ce que je peux m'apercevoir? Donc ça, c'est en Arctique. Hein. Regardez le crédit, comment il descend. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Donc on va essayer de redresser l'économie. Voilà que le travail me... Donc je sais qu'il y avait une touche en fait comme ça où on devait appuyer en fait pour avoir tous les bâtiments à fond. Attendez, je remonte tout mon économie parce que là franchement on va couler rapidement dans le let's play. En plus ça coûte à chaque fois, c'est ça le problème. Ah moins 500, ça y est, ça m'a mis 20 000, je suis plutôt content. Mais c'est en Arctique, hein. Faut vraiment que je fasse un tour là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Améliorer une usine. Laissez-moi juste le temps, s'il vous plaît, parce que franchement... Ce qui est un peu bête, c'est que pendant que t'es pas là, en fait, l'ordinateur joue quand même. Hein. Et donc, quoi de neuf? Ah, voilà, j'avais raison qu'il manquait des bâtiments de ce type. Donc on va ramasser ça. Donc, je vais me mettre une petite route, ici. Et c'est super tendu, en fait, hein. Parce que le petit souci, c'est que je me suis un peu emballé en Arctique, et maintenant, je paye un petit peu les pots cassés, hein. Hop. Bon,
Donc après, j'aimerais bien m'installer autre part. Donc ça, après l'esthétique, ne vous en faites pas. Hein. Je le changerai un tout petit peu plus tard. Hein. C'est juste une petite question de temps, mais minime. Et après, on sera bien, vous allez voir. Allez, donne-moi un peu d'argent, comme ça je repasse en positif. Ça consomme beaucoup quand même. Hein. Là, ça marche. Merci, madame. Ah, c'était pas évident quand même. Hein. Nouvelles options de construction. Fais voir vite fait, ça reliait quoi ça? Donc vous voyez, ça relie pas tout en fait finalement. C'est pas tous les quartiers qui sont reliés. Ça fait un bail que j'avais pas eu d'invité aussi important. Que puis-je faire pour vous? Alors maintenant j'ai quoi en fait à faire? Je regarde. Donc les poissons ont remonté, l'argent j'étais en chute. Il y a une touche en fait pour aller plus vite je crois. Attends, je crois que c'est celle-là en fait. Hein. Non, attends. Les besoins en biens de consommation spécifiques sont insatisfaits. Dès que Lei Sheng aura terminé sa restructuration, tout reviendra à la normale. Ah, mais c'était fait exprès en fait. Ils m'ont fait tout chuter, je crois. On a remis la main sur les stabilisateurs principaux. Orbital Watch contrôle toujours la plupart des secondaires, et pour l'instant, on n'a plus rien à craindre. En fait, c'est eux qui m'ont... Je dois dire que je vous ai sous-estimé. Toutes mes excuses. Je promets de vous aider dans vos projets. Ah, en fait, c'est eux qui m'ont fait chuter, je crois, non? Franchement, je suis perdu là. L'Union ne cédera jamais aux exigences de Drake. Le programme de licence lunaire doit continuer. Donc maintenant, il nous manque un peu de mousse. Ça va, j'ai un peu de mousse, mais peut-être qu'il m'en faut encore plus. Vous savez quoi, je vais en mettre quand même. J'ai pas mal d'ouvriers, je vais faire bosser tout le monde comme ça. On va être bien. J'ai pas mal d'électricité ou pas? Ouais, franchement, j'ai une bonne centrale nucléaire là, limite. Alors, les opérateurs. On va mettre des algues maintenant. Comme ça, on aura d'autres... Ça se met où, ça, en fait? C'est encore un truc côtier, ça. Ah bah, c'était plus vers là, je dirais. Hein. Donc, on va faire relier tout ça. Le petit souci, c'est qu'il faut vraiment pas se louper. Hein. Donc, je vais mettre ça là. La seringue, ici. Comme ça, ça nous fait... Ah, par contre, l'économie commence à se faire sentir immédiatement, aussi. L'énergie, tout est stable. Décoration, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Ça va, ça commence à se redresser. Non, je fais très attention parce qu'on sait jamais vraiment à quoi on a affaire. Hein. Donc ça, après, ça va nous manquer. Les algues. C'est quoi ces petits modules, hein? D'accord. Ah ouais, ça manque tout ça? Oh, ça rigole pas. C'est pas possible. Il faut que je trouve d'autres trucs en fait à mettre. Aïe aïe aïe, franchement les ressources. Sous approvisionnement de biens de consommation spécifiques. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Est-ce que je peux pas prendre une autre île en fait? Ça va être beaucoup plus simple. Est-ce que j'ai l'arc qui peut aller là-bas? Parce que franchement, cette île-là, je la prends, je suis refait. Hein. Mais vraiment. Hein. C'est-à-dire, mon économie, je la fais exploser là. Le problème, c'est que je peux pas y accéder tant qu'on n'a pas fait le pont, à mon avis. Déjà, je vais prendre ça. Je sais pas c'est quoi, mais bon. Si c'est le petit truc de robot. Désolé un petit peu, il fait nuit. Hein. J'ai pas éteint l'écran. Hein. Comment on construit le pont là? Cet emplacement m'a l'air parfaitement adapté à la construction d'un pont. Vous aurez alors accès à de nouvelles zones de construction. Ah voilà, c'est les ponts qui relient tout en fait. Vous savez ce que je vais faire pour l'instant? Je vais couper ça. Parce que ça sert à rien. Ça me fait gaspiller de l'argent pour rien. Donc là j'ai les algues. C'est quoi qui manque en fait là après? C'est les matériaux. Hein. Ils blaguent vraiment pas dans leur truc. Hein. Bon, tu sais quoi, on va supprimer ce truc là pour le moment. Voilà, comme ça je me refais une petite économie bien sympa. On va laisser ça, ça va me faire un petit peu des entrepôts bien pleins, tant mieux. Donc là le bâtiment est relié, j'en ferai un autre juste après parce qu'il faut savoir qu'il faut en faire plusieurs. Franchement j'aimerais bien, on va dire, me mettre une autre île quelque part d'autre. Donc ça, j'ai l'impression que je ne l'ai pas encore utilisé correctement. Cliquez pour les résidences, les promotions. Et le petit souci en fait avec le jeu, c'est qu'il faut aller très doucement. Donc l'avantage, c'est que je peux mettre pas mal de trucs après, mais bon. Il va nous manquer quand même la matière première. C'est ce truc-là, en fait, qui demande pas mal de trucs. Les algues, là. C'est ça qui est un tout petit peu dommage, en fait. Et vu comment c'est gourmand, regardez, heureusement que j'ai commencé à supprimer des trucs. Hein.
parce que je commence à redevenir en négatif. Finaliser l'amélioration de ça là. Attendez. Je pense que... Non, il nous manque encore quelques ressources. J'ai pas assez de ressources spatiales pour l'instant. Comme quoi qu'il faut vraiment que je fasse super attention. Donc ça c'est plutôt là. On va en mettre un autre ici. Attends, je regarde juste un truc. Je vais le brancher là. Comme ça on essaiera de faire un peu évoluer les autres structures. Non, plutôt je vais le mettre là. Marteau piqueur body. Ah mais comment tu chutes vite. Faut que j'aille vraiment en Arctique, hein. C'est là-bas que ça coince. Hein. Ici ça va encore jusqu'à la preuve du contraire, mais c'est en Arctique que ça va bloquer complètement. Mettons-en deux. Comme ça les bâtiments vont mieux évoluer. Je regrette, vous devez être habitué à plus de confort. Tu as besoin de quoi toi exactement? Bon. Ça mange combien ça? Ouais, 250. Bon, supprime-le pour l'instant. Je refais un tour en Arctique, c'est là-bas qu'il faut que je développe un peu. Alors, comment tu fais? Non, c'est pas comme ça. Tu retournes un peu en arrière ici. Et tu vas faire un tour en Arctique. Après, je vais essayer de développer une autre île, en fait. Hein. Donc, c'est bien là, l'Arctique. Hein. Ouais, parce que c'est là que ça coince complètement, en fait. C'est parfait pour arrondir ces fins de mois. Faites-moi signe si vous êtes partant. Parce que vous voyez, en fait, ça prend une généralité. C'est-à-dire que si, par exemple, en bas, j'aurais pu avoir la grande île immédiatement, bah, j'aurais pu faire quelque chose de monstrueux. Ça veut dire me faire une bonne économie bien stable, avec des meilleures ressources, etc., etc., quoi. Mais pour l'instant, on est un petit peu mal barré. C'est que faut que vraiment que je stabilise tout ça. Parce que regardez, là, c'est un peu plus chaud. Et en plus, c'est là qu'il fallait que j'améliore la station. Donc, on va l'améliorer tout de suite. Orbital Watch représente une plus grave menace qu'on ne pensait. Drake a sûrement des partisans secrets. Voilà, parfait. Global Union doit impérativement afficher une forte présence sur la Lune. Pour ce faire, nous avons besoin de vous pour expédier sur place toute une flotte de navettes coloniales. Une technologie spatiale que vous allez développer de ce pas. Donc là, après, il faut que j'aille sur la Lune. Problème. Alors, c'est quoi qui consomme énormément Alerte. Ici main d'œuvre requise pour l'exploitation structurelle. Donc en fait, il faut que je fasse beaucoup plus d'iglo là. Les consommations spécifiques sont insatisfaits. Ne t'inquiète pas, je vais tout redresser. Le petit souci, c'est qu'il faut vraiment que je commence. Voilà, je vais me développer un truc de dingue. Attendez, il faut que je me fasse des réchauds un peu partout. Mais bon, attendez, c'est pas le truc là. J'ai besoin de ça. Le générateur, mais ça mange combien ça? Par curiosité, en entretien, ça demande. Non, ça va pour l'instant. Bon, on va mettre quelques trucs. Je vais les coller, hein, tant pis. Je me ferai des routes après. Hein. Donc tant pis, on va faire un truc comme ça. C'est assez à l'arrache. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Le problème, c'est que faut déjà qu'on résout cette crise ici. Voilà, comme ça, il y aura plus d'ouvriers qui vont être opérationnels. Et voilà. Donc je vous dis franchement, pour redresser, c'est ici, il faut que je mise tout. Parce qu'on a vite coulé en fait. Hein. Après, on fera un tour juste après sur la Lune. Et avant ça, il faut vraiment qu'on essaye de se mettre bien au niveau d'ici, quoi. Pour être beaucoup plus tranquille, je pense. D'accord, les amis? Donc moi, je vous dis à tout à l'heure.